Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Harry Potter, mais plus précisément sur la baguette magique de Narcissa Malfoy. Voilà. Alors, je vais peut-être vous l'ouvrir. Alors, il y avait déjà quelques jours que j'avais acheté, mais je n'avais pas encore eu l'occasion de vous la présenter. Aujourd'hui, c'est chose faite. Alors, sous la boîte noire, une boîte violette. Voilà. Avec son nom. Alors, un petit morceau de mousse pour bien protéger la baguette. Alors, dans la boîte, nous avons cette petite pince avec le nom de Narcissa Malfoy, pardon. Voilà. Alors, pourquoi un Narcissa? Eh bien, tout d'abord, c'est ma toute première baguette, comme je l'ai dit, et Narcissa Malfoy est l'un de mes personnages préférés. Voilà. Bien qu'on ne la voit pas souvent, mais voilà, je l'ai bien aimé. Voilà. Alors, le manche. Alors, un morceau de gris métallisé avec un pic. Alors, plusieurs petites pointes. Voilà. Un second tournant avec plusieurs pics. Je ne sais pas comment appeler ça en fait. Alors ici, nous avons une sorte de morceau de peau de serpent gris. Et la baguette. Alors comme vous voyez, elle est quand même assez grande. Voilà. La baguette a été achetée chez Noble Collection. Bon, je l'ai achetée sur Amazon, mais c'est Noble Collection qui vendait. Je l'ai achetée au prix de 31,95 €, frais de port gratuit. Donc ça vaut quand même le coup. Voilà. Donc la prochaine baguette que j'achèterai, je ne sais pas encore laquelle. En fait, j'hésite avec plusieurs baguettes, donc ça va être compliqué. Parce que mine de rien, quand même, il y a plusieurs personnages et la baguette coûte 31 € et quelques. Donc ça fait quand même un sacré montant arriver à plusieurs baguettes. Donc là, faut vraiment bien choisir quoi. Mais je compte en racheter d'autres, oui. Voilà. Donc j'ai d'autres objets Harry Potter à vous montrer. Donc je vous invite à regarder mes vidéos suivantes. Bisous.